Driver San Francisco. À très bientôt, Tanner. C'est pas fini. À suivre, le platine et l'ammoniac servent-ils à créer du cyanure? Tout de suite, un expert du contre-terrorisme nous met tous en garde. Williams roule pour le gang de Jericho. J'ai juste l'intention de l'utiliser. Une sorte d'infiltration? Quand est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Du calme, on t'appellera très vite. Voilà, on reprend comme s'il ne s'était rien passé. Ah, est-ce que j'ai fait un petit défi cascade à la con, là? C'était un calvaire, mais... J'ai pas compris pourquoi c'était si dur que ça, tout d'un coup. Allez, c'est parti. Tanner, t'as remarqué que... Tanner. Laisse tomber. Allô? Tu vois, il y a un truc que je comprends pas. Ah ouais? Eh ben rajoute-le à la longue liste de choses que je comprends pas quand je suis avec toi. Attends un peu. Jericho, c'est un bon gros mafieux, pas vrai? Ouais, et après? Non, mais c'est pas un meurtrier. Oh pitié, il pourrait... Ça marche, donne les cookies demain. Pour $1.50. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. La vengeance, ça coûte du pognon. Ça rapporte rien. Pourquoi tu te prends la tête? C'est juste que ça colle pas. Alors t'as qu'à tout m'expliquer. Écoute, je peux pas. Vas-y, mec. J'attends que ça. Écoute, c'est pas... Quoi? Si... Désolé, c'est... mais j'entends c'est... toujours pas ton explication géniale, hey, John. Fais pas ton connard. Alors maintenant, c'est moi le connard? Tu me fais marrer. Merde. Jones, quoi? Si c'était aussi... Si c'était aussi quoi? Aussi seulement quoi? C'était aussi simple. Tu ferais quoi? Vas-y, ouais, arrête. Si c'était aussi simple... Tu brasses du vent, John. Tu brasses du vent comme un... Claquer des doigts comme ça. Jones. C'est quoi ce délire? Oh merde. Jones, la ville. Tout est figé. C'est stylé ça. Oh merde, je perds la boule. Je déraille totalement. C'est complètement dingue ça. Putain. Oh putain! Je me bouffe 3 murs, 2 bagnoles pour aller chercher un petit truc que j'ai pas le temps de prendre. Je suis vert. Oh, une Shelby ou une Ford Mustang. Que... L'ambulance, c'est la seule chose qui bouge. Sorte à tout prix de ce cauchemar. Il faut que je me concentre. Je préoccupe cette ambulance pour voir où elle va. C'est pas malin, ça. Oh. Suivre cette ambulance. Son sillage me donne de l'énergie. Merde, je me sens faiblir. Oh. Je me sens déjà mieux. Ok, tu vas réussir. Ne les perds pas, John. Ça va, l'ambulance, elle conduit... Le mec, il est en état de santé pour conduire ou pas? Toi, je te lâcherai pas. Ouais, c'est ce que je dis, tu fais n'importe quoi. Exprès pour que j'ai du mal à te suivre. C'était quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Oh merde, Ricky! Ce gars perd beaucoup de... Waouh! Ok. Ça change la donne, ça. Maintenant, foiré, on va voir si tu t'échappes. Waouh! Je suis en pleine forme! Bon
sang. J'ai froid quand je quitte le sillage. Très froid. Je pète pas les plombs. D'accord. Il y a forcément une explication. Ouais, t'es pas terrible votre mission là. Hein. Oh bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il est passé mon micro là? On continue. J'en ai marre, tu brasses du vent comme un bon gros trou de cul. Tu dis des conneries, John. Que tu fous là? Encore un truc bizarre à rajouter sur ta liste de trucs bizarres, Jones. D'accord, là il faut que tu me lâches, mec. Entre le moment là où j'ai claqué des doigts et maintenant, j'étais ailleurs. Je faisais une course contre la mort dans une version cauchemardesque de San Francisco. Ouais, d'accord, John. Je suis sérieux. Fais chier, John. Soit tu te fous de moi, soit tu t'éclates bien à me foutre les jetons. Je suis sérieux. Écoute, mon vieux. Bon, tout ira bien. On va te tirer de là, quoi qu'il arrive. Ouais, merci pour le soutien. Non, je suis sérieux. Tu vas t'en sortir. Je sais que tu peux m'entendre. Alors t'en fais pas. Tout ira bien. Quoi? Allez, on bouge. C'est quand même très chelou cette histoire. Hein. Je sais plus comment ça se finit. Chapitre 6 sur 9, je crois. Pour chasser. Chier! Hey Tanner, parle-moi! J'ai rien à dire. Ouais, c'est ça, un truc vient de se passer, ça t'a foutu les jetons. Et vu les trucs qui te foutent les jetons en ce moment, si ce truc te fout les jetons, ah, moi aussi, ça me fout les jetons, mec. Et si je perdais la boule, hein, Jones? Et si tout ça se passait dans ma tête? Allez, arrête, c'est pour ça que tu fais une crise. Laisse-moi te rassurer tout de suite, mon pote, t'as pas changé. Tu conduis toujours comme un malade. Allez, viens, on a un type à coincer. T'as raison, en route. Ouais, d'accord. C'est une promotion pour la bagnole ou quoi? Elle est très belle, hein, j'ai rien contre, mais... Ouais, d'accord, c'était inutile, ok. Alors, Allez, hop. Je sais pas ce que c'est. Poursuite à mer routier. Tu sais quoi, Booba? En fait, on n'a pas vraiment besoin de camion pour ce job. Bah, pourquoi tu m'as dit de le prendre? Parce que c'est toi la carotte, crétin. Et bonne chance avec tous ces flics. Fogorn, je vais te botter le cul, tu m'entends, fumier? Personne n'a jamais trahi le grand Booba comme tu l'as fait. Ok. Désolé, Booba, mais j'ai pas envie de partager le butin avec toi. Je vais tout garder pour ma peau. Je vais m'arranger pour que tous les flics du coin te prennent en chasse, mais je t'arrêterai moi-même. Bon courage, Booba. De toute façon, tu pourras jamais m'attraper si t'as les poulets au cul, connard. Allez, à plus, papouillon. Il faut que j'amène les flics aux vrais criminels et qu'ils coincent ce pecno. À qui que tu parles, Booba? Tu fais une petite prière? We'll be right back.
Tiens, mon pote. Le cadeau. C'est malin de me rentrer dedans. Oh, désolé, la XFR. Oh, désolé, les flics. Oh, désolé. Ce bahut est solide comme un tank. Mais là, il est au bout du rouleau. Un vrai miracle que t'aies tenu jusque-là, pauvre résidu de vidange. Et on drift en poids lourd. Oh! Hé, hey, Fogor! Je te vois! Même un bahut de cette taille tiendra pas éternellement. Pour toi, c'est la fin des haricots, couillon! Oui. Je te souhaite de passer de bonnes vacances en prison! Bon, tu vas être un vrai poison! Alors comme ça, okay. On se tutoie maintenant, hein? Oh! Boum! Oh non, mais je suis en train de frapper l'autre, moi! Moi aussi. Mais ça nous fait portail de merde. Oh. Tu vas me faire choper tous les deux. Mais j'y compte bien. Allez, rattrape-le là. On est quasiment à égalité au niveau des dégâts, ça va être chaud. Écoute, t'as raison. Ah, t'entends, on partage le pactole et tu me fous la paix, ok? Retard pour oh. Ça, on va tomber tous les deux. Ah, mais bordel, pourquoi on en est arrivé là? On est deux espèces de gros débiles avec un QI de poule qui se détestent. Voilà pourquoi on en est arrivé là. Bon, ça c'est une affaire rondement menée. Suivante, tiens, il y en a une à côté. Tac. C'est course ça, non? Ça a l'air. Tu veux pas m'écouter, Ayumu? Oh non. Je te dis que c'était pas vraiment moi qui conduisais. Écoute, encore eux. Ça change rien, on n'a plus vraiment le choix maintenant. On travaille pour Jericho, tu sais. Non, non, non. Tu peux Stratos, pas dire non, Quattro, types, si RS200. L'autre grand balèze, Krug. Juste deux secondes et vous en profitez pour vous maquer avec Jericho. Comment ça, vous? June, si t'as un moyen de me tirer de là, dis-le. Jericho gère toutes les courses de cette ville. Je te rappelle qu'on n'avait pas le choix. Par contre, c'est quand tu veux que tu tiens la route, hein, vache. Au devant. On est où? Pas en tête, en tout cas. Sans les mains. Je déconne. Tiens pas vraiment bien la route cette caisse, hein. Premier en japonais. Wouhou.
Qu'on est là, non ? Ouais, et pour gagner la course. Super, continue comme ça. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Ok. Encore fini, petit. On va gagner! Allez! J'ai cru qu'on allait finir dans le décor! Fais-moi un peu confiance. On est en tête, John! Comment tu m'as appelé? John? C'est ton nom, frangin. J'ai cru entendre... Ah, laisse tomber. Par contre, les mecs, vous cheatez carrément. Vous cheatez carrément. J'étais en tête, j'ai pas du tout fait de conneries. C'est plié, je. Montre à Jericho qu'on n'a pas peur. On tente désespérément de gagner pour qu'il nous épargne. What? Plus facile si heureusement qu'ils m'ont pas doublé, là je cassais tout là. On a réussi. Jericho, c'est pas loin. Hein. C'était pas loin. Ayumu, te fais pas d'illusions. Jericho est un meurtrier. Prends tes gains. Et disparaît. Ok. Du premier coup quand même. Ça va. C'est déjà pas mal. J'ai pas à me plaindre. Bon, bah, on va prendre celle-là vu qu'elle est plus près. Je sais pas du tout ce que je vais faire après comme championnat. Protéger le fourgon blindé. On a dit de se garer en face aujourd'hui. Pourquoi ? Tu vois bien que ça va nous forcer à traverser la rue. Je crois bien qu'il y a un autre gros dépôt ou un retrait aujourd'hui. L'entrée de devant doit être dégagée. Pourquoi tout ce changement? Je veux dire, ça paraît bizarre. Ça vient de la direction. Quoi? Tu crois que je mens? D'accord. On a combien de fric à l'arrière déjà? Toujours la même somme, Louis. Ouais, mais c'est combien? J'ai oublié. 15 millions. Il y a pas mal de gens qui aimeraient piquer une somme pareille. Pourquoi tu crois qu'on transporte ça dans un fourgon blindé, crétin ? On peut accélérer le mouvement pour cette livraison. Nadine va me tuer si je rentre encore tard pour dîner. T'as beau être un agent de sécu, tu morfles à la maison. Fais gaffe, là ! Ça va être déduit de nos salaires ! Ah ! Pas du mien, en tout cas. Ah oui, je me rappelle, souterrain. Le parking. La voilà. Bon, c'est pas ma plus belle manœuvre de stationnement. Oh, bon Dieu. Il faut que je trouve un moyen de protéger le van. T'es sérieux, mec? T'es sérieux, mec? T'es vraiment sérieux, mec? Prends ça! Ça fait trop.
Bon, on va essayer celui-là. Oh putain, épaisseur. Voilà, c'est pas grave, ça passe. Ça fait mal, une épaisseur, visiblement. Hein. Tiens, mon pote, cadeau. Bon. Il me semblait qu'elle était atroce, cette course, mais elle a l'air de pas mal se... pas mal se passer. Oh, je pensais que ça passait pas du tout. Oh, comment je l'ai déglingué, la Torino. Ouais, y'a un 4x4 Audi. Waouh, je me rappelais plus qu'il y avait un Q7 ou quelque chose comme ça. C'est un quoi? Ouais, si, c'est un Q7. Et merde. Oh, ça pique. Ça commence d'arriver un peu là. Hein. C'est fini pour toi. J'avoue que ces missions-là, elles sont pas toujours faciles, mais elles sont pas dégueulasses. Oh, c'était juste, hein. Et ils ont des 4x4 cette fois, donc va falloir du lourd pour les buter. C'est moi ou t'arrives par là, toi? Parfait. C'est dingue, c'est que vous arrivez très très vite quand même. Vous arrivez très très vite sur les lieux du... sur place. C'est tout? Ok. Sympa les tatouages. Vous avez fait de la tôle? Content de toi de conduire, ok. Oh là là, celui-là c'était un monstre. Je sais pas ce que c'était comme 4x4. C'est un 750? 3500 Dodge Ram. Ok. Ouais, mais c'est bizarre, c'est que. Tiens. Et merde. Tiens. Je vais te dépanner, moi. Tiens, ça c'est le nouveau Q7. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, il y en a deux qui arrivent par là. Oh, heureusement que j'en ai eu un, ça m'aurait fait chier. Ça m'aurait fait chier. D'accord, tu tournes là. Assez longue cette mission. T'es sérieux, mec? D'accord. T'as réussi à prendre un tiers de dégâts à l'arrêt, quasiment. Pourquoi pas? Oh, je suis passé par-dessus une 500, je crois. Elle a pris cher, la pauvre. Je sais pas si c'est 24 secondes. Là, il y a un gros problème dans votre affichage. Il y a un gros problème de m'afficher un temps en rouge alors que c'est probablement la fin du temps que je dois survivre.
Oh, les deux! Mais oui, c'est ça qui est bon. La double illumination qui fait plaisir. Oh non! C'était tellement beau. Bien, ça c'est Jaguar. Neutraliser les derniers assaillants, t'inquiète pas. C'est prévu. Tiens mon pote. D'accord. Quasiment à l'arrêt, il est détruit. Oh, la double comme ça. En latéral, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique. Bon, ça va, ça s'est très bien passé. Il me semblait que j'avais pas aimé la mission. Peut-être que je l'avais pas bien compris. Comprise. Ça rien. Le fourgon blindé, ça va, presque ça nickel. S'est très bien passé. Ok. Ça s'est fait. C'est où que j'étais là? On va aller chercher ici celle-là. Dyson, Central, pourquoi on est là-dessus? Pas bien, Central. À toutes les unités, effraction à South Court. 4 voitures de collection destinées à être vendues ce soir ont été dérobées. Ici Levine et Dyson, Central, pourquoi on est là-dessus? C'est pour une vente de charité. C'est au profit de la police. Pas bien, Central. On s'en occupe. C'est quoi cette mission que t'as acceptée? Qu'est-ce que c'est que cette mission? C'est pour une œuvre de charité. Regarde la carte, on est super loin des positions. Ouais, t'as raison. Ok, on laisse ça à quelqu'un d'autre. Et bien, c'est que le chrono, il continue de tourner, mais il me faut deux plombes, moi. Belle bagnole. Oh, pas mal. Plus qu'à la ramener. Par contre, elle drift, c'est un truc de malade. C'est ingérable. Ah ouais! Ouais, ça en fait une. Il faut qu'on s'arrête là. Tu vas te prendre un gros taquet, Marcel. Désolé, mec, j'ai changé de plan. C'est Raoul, mon nom. Hé, hey, arrête les conneries, allez, file la bagnole à ces types. C'est pour ça qu'on est payé, je te signale. Et l'horloge tourne. C'était vraiment ridicule. Je me demande bien pourquoi ils t'ont engagé, Marcel. Merde, fallait que je garde cette Par contre, l'ennui, c'est que je ne sais pas du tout où il faut aller, les mecs. Hein. Si cette caisse n'est pas en état de voler, elle nous sert plus à rien. Ah, je crois que je comprends. Non, on l'a volée avant les enchères, Marcel. On va la fourguer à quelqu'un d'autre. Comment ça? Non mais recule pas du con! Recule pas!
Mais qu'il est con! Oh putain! Mais l'autre, il te fait une marche arrière, mais... Il est où, mon point jaune, là? Il est là-bas? Putain, je suis en train de m'emmerder à faire ça pour rien. Les voitures ne tournent pas. Les voitures ne tournent pas. Il n'y a, pas à négocier, hein. Elles tournent pas. Hein. Faut qu'on puisse la revendre. Remue-toi, John. Si tu montes pas vite ces voitures dans les camions de police, ils n'arriveront jamais à temps pour la vente. Ah, c'est sympathique, ça. Ça, c'est très sympa. C'est très sympa, le joli camion, c'est... Très sympa. Hein. Le foutu camion, Marcel. Donne la voiture aux gentils messieurs qui veulent putain, nous payer. Mais... Marcel, t'es un crétin. Mais putain, mais c'est pas possible. Ça fait deux BA sur... Oh là là. Quel enfer. Merde, t'as fait quoi à cette caisse? Elle est presque bonne pour la casse. Dis quoi là? Mais tu délires, mon frère. Eh, hey, je t'avais dit de quitter la ville par la route 101. Mais non, il a fallu que tu fasses un détour par la zone, gros débile. Cette vieille dame tient encore la route. Ouais, elle a pris cher. Hein. Oh, c'est moi, j'ai vu une Diablo. Oh mon dieu. Je crois que j'ai vu une Diablo et une belle, merci. Si tu sors pas cette bagnole de la ville, ferme ta gueule, s'il te plaît. Mais repose-la, repose-la. T'as déconné, Tanner. C'est foutu pour la vente, on dirait. Ouais, ok, d'accord. On va se la faire autrement, déjà on va comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. On va envoyer se faire foutre ceux qui font de la merde. C'est pour une œuvre de bienfaisance et le temps est compté. Il faut amener ces caisses au camion de police. Impossible de la mettre droite. Hein. Impossible de la mettre droite. Elle circule n'importe comment. On finira peut-être par l'autre là qui est piégé en plein milieu du carrefour là parce que. Oui bah allez zoom, fait un petit effort. Oh là là, cette caisse est en ruine. La prochaine fois tu la joues pas Megastar du volant avec les bolosses du quartier. Tu t'attendais à quoi? Si tu continues, on sera pas payé. Et si on n'est pas payé, je t'explose la gueule. Je vois, t'es un nerveux. Regarde. Et l'horloge tourne. Arrête de jouer et fonce au point de livraison. C'est bon, t'as eu ta dose, mec. Maintenant, on s'arrache. Ça fait 2 BA sur les 4 de la journée. Allez, zoom, putain. Tiens, voleur solitaire. Stratos. Dommage pour toi, mon gars. Mais on va rendre cette voiture. Ça a l'air bien compliqué votre itinéraire à la con là. Hein. Je
Comme toi, John. Si tu montes pas vite ces voitures dans les camions de police, elles n'arriveront jamais à temps pour la vente. Tu peux arrêter, s'il te plaît, moi je vais à droite, merci. Je sais vraiment pas si j'ai pris le bon chemin, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup de bons hein, là-dedans. Je suis toujours en train de tourner à gauche et de drifter là, mais. Là par contre non. Là je contre-braque. Mais tu fais ce que tu veux, j'avais bien compris. Si je récupère encore une bagnole de collection, le monde pourra me remercier. Marcel, je vais t'en coller une. C'est quoi ton nom? Tu sais bien que c'est Raoul. Arrête-toi et donne-leur la voiture. Non, pas possible. Qu'est-ce que t'en penses, Raoul? Je suis quasiment. C'était un peu brutal, mais ça passe, ça passe. Ok. Ensuite, on est à combien? On est à 44 minutes quand même de stream à peu près. Peut-être un petit peu moins, j'ai recommencé un truc. On va essayer de faire une ou deux missions. On va essayer de faire les grosses, là. Celles-là qui ont des... Oui, allez, vas-y, zoom. Bon, c'est des courses, ça me défie... Non, défi vitesse. Affronter le trafic dans une course de checkpoint vers la marina, d'accord. Et la voiture, vous me donnez celle que j'ai sélectionnée de base ou... Ou vous m'en donnez une autre? Une précise... Oh! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh le kiff! J'ai pas l'impression qu'elle soit super bien faite. Elle m'a l'air un peu petite, un peu courte. Pas super large. Bien la route au moins, pas comme d'autres. D'accord, par contre quand elle a envie de drifter, c'est drift hein. C'est pas là que je voulais passer à la base, mais Ah, d'accord. Allez, mais pourquoi tu vas au même endroit que moi, putain? C'est incroyable. On dirait que c'est moi qui la dirige.
Ouais, elles sont pas très difficiles vos courses généralement timées. Par contre, quand faut être à 2 contre 2 avec une IA bidon, là c'est un autre problème. Allez, on va s'en faire encore une ou deux, je pense. Qu'est-ce qu'on a en grosse épreuve? Et celle-là, c'en est des grosses. Défi taxi. Allez, vas-y. Choisissez votre propre route, foncez jusqu'à la ligne d'arrivée. D'accord, j'aime pas trop, mais... J'ai du mal à trouver ma route dans ce jeu. Je suis gouré de route, je savais pas qu'il y avait un petit truc. Allez, un icône. Tac. Oui, d'accord, tu peux rester sur les roues, s'il te plaît? Le mec, il était là dans la rue, il a réussi à savoir que j'arrivais quand même. Ça sent bien l'arnaque. Hein. Pas l'air dégueulasse. Je suis bourré de route. Voilà que je voulais aller. D'accord, oui, non, mais le bus il arrive à 70 dans un virage, oui. Pas de problème, pas de problème. J'ai un peu merdé sur ce coup-là. Ça
Ça passe, mais j'ai failli merder. Je voulais me chercher mes petits logos là et. Ah putain! Je croyais que c'était fini? Ça ne voit absolument pas où faut aller, ça a l'air d'être tout droit donc on va aller tout droit mais. D'accord, c'est bon. Il y en a sérieusement un qui allait me doubler là? Je suis au taquet non-stop. Oh, une GT40. Ouais, l'autre il est passé par le souterrain, bonne chance. Ok, 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 ok. Bon, allez, une petite dernière. Ça va, ça se passe plutôt bien. Je sais pas si je suis en train de faire les missions. Les défis, je veux dire, qu'il y a dans les menus ou pas. Allez, celle-là pour finir, c'est quoi? Cannonball? Ouais. Aucun état n'inflige la peine de mort pour excès de vitesse. D'accord. Et c'en est pas un que j'ai débloqué, ça? Mais il me semblait que c'était un cinéma, mais ça n'a pas l'air. Bon, alors, faut supprimer tous les strips grounded. D'accord, si c'est bien Cannonball, je vois que j'ai pas de... Mais dégage! Ah, oh, la Countach, elle est pas mal, bah, maintenant elle est foutue, mais... Oh, une Torino! Oh, la Jeep! Si c'est une Jeep ou un truc qui y ressemble. Oh, comment j'ai fait pour esquiver cette bagnole alors que je tournais à droite? Raté mon pote, c'est dommage, j'étais pas loin. Là, t'es vraiment un bâtard. Là, t'es mort en fait. T'es juste mort là, ce que t'as fait. T'as juste essayé d'arrêter une voiture en me tuant. C'est tout. Ça n'avait aucun sens. Et là, c'est qui? C'est un coureur qui me fait ça? T'es sérieux? Et sinon, vous le turbo, vous le laissez tomber quand vous? Parce que là, ça se sent que vous avez le turbo, hein, vous. Moi je l'ai pas, hein. Ni turbo ni bélier. Hein. Tiens, un cadeau, je te laisse celle-là. Oh la vache! Ok, c'était facile, je m'attendais à plus dur. Bon bah, tant mieux. Vous avez gagné, nickel. On est à combien là? À combien on est? Ouais, on est à 53 à peu près. On va la faire, allez hop. On va la faire, elle sera au pire un petit peu moins d'une heure. Hein. Évasion. Tu me vois sur Ordel? Oh, merde, Tanner! Tu devrais faire signe avant de débarquer comme ça. Désolé. Et Ordel? Il est sur un coup. Tu veux qu'on le localise? Ouais. Il est temps d'en faire une priorité. C'est parti! Tanner, faut que t'assures sur ce coup-là. T'inquiète. Surtout, fais pas le malin avec. D'accord, on peut s'accrocher et. Si on finit un petit morceau comme Krug,
Ce sera ta faute. Sympa la pression. J'aurais bien voulu prendre les logos là, mais... Faut que je fasse un demi-tour et tout, ça va me prendre 2 heures. Hé, hey, tu crois que cette Leila va refaire surface un jour? Quand Jericho a une mission importante, c'est elle qui l'appelle. Tu attends quoi exactement? Rien. Bouge alors. Ça a pas duré longtemps. Il ne l'a jamais. D'abord, c'est lui. Ensuite, je te dirai où on va. En fait, je m'appelle Ordel. Et toi, c'est comment? Je suis ton passager, Ordel. Enchanté. Rien de moi. Youpi, super nouvelle. Il se rapproche. Ok. Non. Il te dit qu'il se rapproche. Désolé. Tant qu'on continue à rouler, je m'en fous. C'est quoi le programme du jour, alors? Le programme? Avec Jericho. Ça, c'est pas tes affaires. Moi, ce flic se décourage pas facilement. Désolé les gars, mais je suis super bien infiltré là. Et vous ruinez mes plans. Oh! J'espère qu'ils ont mis leur ceinture. Oups! Ne t'arrête pas. Essaie de m'impressionner, Ordel. Ce flic se décourage pas mal, le petit bug de collision là. Oh, comment t'as pris cher! Désolé les gars, mais je suis super bien infiltré là. J'espère qu'ils ont mis leur ceinture. Au moins, oh, t'es pas mort! Pas facilement. Je suis dégoûté de te fuir alors que t'es déglingué, mais... On va à la zone industrielle. Et c'est tout? Quoi, c'est trop simple, ça te convient pas? Non, je voulais juste. Pas un mot de plus, Ordel. Je rigole pas. Tu dois m'expliquer pourquoi les flics savaient où te trouver. J'ai rien à te dire. Bougez pas, je prends le petit jeton de cinéma tant que je suis là. Je suis pas le pilote de rallye, Ordel. Amène-moi à destination. C'est parti. Est-ce que la mission est finie là? Eh ben, t'avais raison. Je crois pas. Allez, s'y attendre. Allez, tire-moi de là. Démerde-toi. Et comment je... Ta gueule, roule. Mon char... T'as qu'à rouler encore moins vite. Non, c'est très suffisant. Quand je t'aurai conduit là où on va, est-ce qu'il y aura autre chose? Une fois que tu m'auras déposé au point de rendez-vous, tu me reverras plus jamais de ta vie. Donc non, tu peux rien faire d'autre pour moi. Ouais, on les scène. C'est la fête alors. Je sais pas. Non, sérieux, quand on arrivera là-bas. T'as déjà vu un petit... T'es sérieux, mec? Artificiel, t'arrives à anticiper une voiture qui roule à 250? Désolé les gars, mais je suis super bien infiltré là. Et vous ruinez mes plans. Carrément. J'espère qu'ils ont mis leur ceinture. Au moins. D'accord. Je vais reprendre le volant parce que tu conduis comme une quiche. Tu te traînes, tu prends pas d'avance. Allez. Ah, puis alors cette conduite, hein! On arrivera. On dira à Jericho que j'ai assuré. Tant que je suis pas arrivé exactement où je dois être, t'as rien assuré du tout. Il faut que je les sème ou faut que j'aille là-bas en fait? Yes! Tu fais le maximum. Et ouais. Il est temps de faire mieux. Ouais, ça va le faire. J'espère. Je dois amener ce type où il veut. Même si c'est un psychopathe. Oh là là.
excusez-moi. Cramponne-toi. Petit arrêt logo. C'est bon. Ah, il est encore là dans la petite ruelle. Ah, je suis désolé, tant que je suis dessus, je l'ai fait vite faire. Je mets pour deux secondes. J'ai une bonne bagnole en plus, là, la R8. Elle dépote, donc... Ok. Voilà, il n'y a plus qu'à rentrer. Il n'y a plus qu'à livrer. On va passer par là, vu que je pouvais pas faire de passage. D'accord. On va y arriver plus vite sur place. Je vois que j'ai débloqué une espèce de mission shérif fais-moi peur. Impec. Ah putain, il y en avait ici. Alors, c'est pour toi. Tant pis. Allô ? Je sais pas ce qui t'est arrivé, Ordel, mais continue comme ça. Tu vas être content, on a une mission pour toi. C'est du lourd. Mais attention, t'as pas le droit de te planter là-dessus, c'est compris ? Bien sûr, je comprends. Bien, on dirait qu'Ordel va décrocher une promotion. Et je serai là pour en profiter. Là, on progresse. Ordel est sur le point de connaître le plan terroriste de Jericho, et on a une nouvelle tête en ville. Il y a aussi le gros job dont Léla a parlé. On dirait bien que le boulot finit par payer. Eh ben voilà.